dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un énorme retour de course. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, pour information, je viens tout juste de rentrer des courses. Hein, donc, on excuse de la coiffure et tout. J'ai fait hier un drive sur Leclerc Drive. Et il me manquait les petits trucs. Donc, du coup, je suis allée à Hyper U. Je vais commencer par vous montrer les courses du drive et ensuite Hyper U. Et c'est un truc de ouf. J'en ai eu pour 299 plus 200 et des patates. J'en ai eu pour... Un peu moins de 600 balles. C'est un truc de ouf, mais c'est surtout Hyper U. Hyper U, ça coûte vraiment trop cher. Bref, pour information, les courses que j'ai fait, c'est pas pour ton chien, pour ton Doberman, pour ton berger allemand, pour ton grand-père, pour ta mère, pour ton oncle, pour ta tante, pour ton cousin germain. C'est mes courses à moi, donc tes commentaires à jeu, tu vas te faire en papayouté chez les papayoutes. Et donc c'est parti, on commence. Je vous le dis, c'était franchement la dèche des courses. Il y en a de partout. Regardez-moi ça. Attendez, je suis coincée. Il y en a vraiment de partout. Voilà, c'est tombé. Et il y en a encore là, tu vois, c'est... J'en peux plus de ma vie. En premier, j'ai pris du pain de mie comme ceci. Je crois que j'en ai pris 3 au total, mais c'est tellement le blabdawa que je sais pas où c'est. Donc, de la brioche comme ceci, de la marque Pasquier. Je vais essayer de m'organiser un petit peu. Ça va être très compliqué. Ça va être... Bah, prenez un mojito, un chocolat. En tout cas, ça va être chaud. Des lardons comme ceci. Des lardons classiques, basiques. Vous en avez 160 grammes à l'intérieur. De la petite saucisse comme ça d'Alsace. Hop, celle-là, je les aime beaucoup. Pour information, mes courses m'ont permis d'avoir 11 euros sur ma carte Leclerc. Donc ça, c'est franchement cool. Ça, c'était pas cher. Ah non, ça, c'était... Si, ça c'était le prix normal, j'ai envie de te dire. Des saucisses de Toulouse, parce que je vais faire des petites saucisses aux lentilles. Et il me fallait des saucisses de ce type-là. Ça, c'était 3 euros. Je trouvais que ça allait encore. Ce sont des émincettes de porc avec une petite marinade des familles. Ça a l'air plutôt bon. De la viande de grison. Comme ceci, ça on adore, les enfants ils aiment beaucoup. J'ai pris des lardons comme ceci, 1 kg parce que je vais faire des recettes et je vais les diviser, voilà, je vais les diviser en peut-être en 200 grammes, en 4 sachets différents et je pense que prendre au kilo comme ceci, prendre des grosses portions comme ça, ça permet d'économiser parce que ça, j'en ai pour pas très très cher. De la lessive comme ceci, alors ça j'aime bien les bouchons comme ça parce que moi je les mets directement dans une petite bouteille. Maison verte aux huiles essentielles avait une petite promotion là-dessus donc du coup je me suis laissée tenter. De la même gamme si je dis pas de bêtises, ah non, univers, de l'adoucissant. J'avais pas fait gaffe, c'était une toute petite bouteille comme ça, c'est pas grave. Alors ça en théorie, ça fait 40 lavages, je n'y crois pas une seule seconde, j'ai envie de te dire, de la viande, c'est juste là. Encore de la saucisse de Strasbourg, comme ça, c'est au rayon traiteur, dans les rayons du drive. Du jambon comme ceci, 4 tranches de jambon classique, basique, avec de la couenne. Couenne, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait de la couenne, à quoi ça sert la couenne? Franchement, à quoi ça sert? Dites-moi, laissez-moi un message pour me dire ce que vous faites avec la couenne. Moi, je la coupe tout le temps. Du jambon d'Inde, comme ça, vous avez 4 tranches à l'intérieur. Du jambon classique, basique, cette fois, il n'y a pas de couenne. Des petites boulettes, ça, je vais les congeler directement et ça fera largement l'affaire. Encore des lardons comme ceci. Également, du beurre de Bretagne. Beurre de Bretagne demi-sel. Ah, j'ai vu du beurre de Bretagne, c'était doux. Non, le beurre breton, c'est forcément demi-sel. Donc là, j'ai pris du demi-sel. J'ai également pris du taboulé comme ceci et des petites carottes râpées à la ciboulette. Ça, j'aime beaucoup. Je kiffe de ouf. Des gambas parce que je vais faire une petite recette avec des nouilles, du gingembre et tout. C'est juste trop bon. Donc, des gambas comme ceci. Ouais, c'est ça. Là, c'est congelé. Elles sont congelées. Donc, il faut vite que je me magne pour les mettre dans le congélateur. Je me suis pris de la tarte aux poireaux comme ça. Ça, bien sûr, c'est également congelé. Et une tarte au fromage comme ça. Ça a l'air juste très bon. Congelé également. Dans la famille de la congélation, on a pris des châles, des steaks comme ceci, classique, basique. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas pris des châles. Je suis désolée, il n'y aura aucun sens. De la verveine comme ceci, enfin du thé au citron bio. Yes! Des pâtes comme ceci, il y avait une réduction. Et pour te dire, hein, tellement c'est la dèche dans le frigo, on n'avait même plus de pâtes. Donc des pâtes, c'est des 3 minutes, mais bon, ça ira très très bien. Sont des coquillettes, il y en a 2 plus une offerte, donc ça c'était plutôt pas mal. Je me suis pris des petites bananes comme ceci, ça c'est juste
trop bon, c'est la base. Du chocolat comme ceci, du chocolat, du chocolat dessert comme ça, le Nestlé, c'est la base. C'est la base. C'est trop bon. Obligé de prendre du Nutella, on a toujours un pot de Nutella en réserve et nous on rigole pas, on prend pas le 75 grammes, 300 grammes, on prend le 1 kilo. 1 kilo de Nutella directement. Des pom-pom la compote comme ceci, le petit dessert pour les enfants sans sucre ajouté. Pomme nature, pomme poire, pomme abricot et pomme fraise. Ça, c'est nickel chrome pour les enfants. Dans le congelé, j'ai pris des glaces comme ceci. À la base, j'avais pris des glaces, mais tant que je valide mon panier, parce que j'ai mis 2 heures à faire mon truc, tant que je valide mon panier, elles étaient plus dispo, donc je me suis rabattue sur celle-là. Il n'y avait plus grand-chose. Des espèces de hachés de poulet rôti comme ceci. Ça, c'est également congelé, c'est au rayon congélation. Des pizzas. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris une pizza... chorizo, ma petite elle kiffe les pizzas au chorizo. J'ai pris une pizza au feu de bois comme ça et j'ai pris une pizza au thon. Voilà, j'ai pris toutes les marques différentes. J'ai également pris des tuiles comme ça, trop bon. 2 jus tesser à la menthe, tout simplement parce qu'il y avait moins 95% sur le deuxième. Donc ça vaut carrément le coup, j'ai envie de te dire. Franchement, Leclerc, c'est mon magasin préféré au niveau des avantages. Je trouve que c'est juste parfait. Des lentilles comme ceci, donc des lentilles sèches, tout simplement pour faire mon petit salé aux lentilles. Je vous montre un petit peu. Désolée, on ne voit pas. Je vous montre les boîtes que j'ai pris. J'ai pris des petits pois comme ceci, des petits pois classiques, basiques. J'ai pris le bio parce qu'il y avait une réduction. Hein. Je suis pas une fan du bio, mais voilà, il y a une petite réduction. Des petits pois carottes comme ça en conserve. Ça, ce riz-là, il est juste trop bon. Le taureau, il est riz parfumé. Je l'adore. Je l'adore d'eau. C'est mon riz chouchou. Encore des petits pois carottes. Et là, je me suis dit pourquoi pas des flageolets. J'avais envie de changer un petit peu. On a également de la lessive concentrée comme ceci. Pareil, toujours avec ce même système de gourde. Voilà, par contre, on donne pas ça à tes gamins parce que sinon ils vont le manger. Avec mon fils, on a mangé déjà des sushis. Il y avait un mélange de sushis et de maki. Donc on l'a déjà mangé. Et on s'était pris aussi une grosse timbale comme ceci. Là, du coup, c'est le mix des deux plateaux. Tu vois un petit peu l'idée. On s'est laissé teinter. Et on avait également pris chacun un petit truc comme ceci avec des concombres, du saumon et du riz en fond. Donc on en avait pris 2. J'en ai dégommé 1. Toujours dans les conserves des haricots verts comme ceci. Hop, 2 pour information. Et ça fait 660 grammes. Pour les enfants, des goûters comme ceci. Tu sais, les goûters avec les petites pépites de chocolat à l'intérieur. Petite réduction sur les BN. Je me suis dit pourquoi pas, ça faisait longtemps. Même si là, on arrive au chaud. Ils ont tendance à manger que des choses avec du chocolat à l'intérieur. Donc, c'est toujours un peu compliqué de changer les goûters des gamins. Casse-grain, c'est juste trop bon. Ça coûte cher, le casse-grain, mais c'est trop bon. La ratatouille comme ceci, même si t'as pas le temps. Tu vois, moi, des fois, au taf, j'ai ça dans un de mes placards. À côté du rouge à lèvres. Voilà, si j'ai pas le temps de me faire ma gamelle, je sais que je prends ça. Je la mets directement dans un bol. Et voilà, c'est des légumes déjà cuisinés. C'est très, très bon, mais c'est assez onéreux. J'ai pris un autre... taureau ailé, le taille. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Faut bien changer un petit peu. Des épinards en branche comme ceci. J'avais envie d'épinards, même si je suis la seule qui mange les épinards à la maison. J'avais envie de me faire un petit kiff format familial. Des pains au chocolat comme ceci. Je connaissais un pote tous les matins. Il allait au travail avec ses 2 petits pains au chocolat comme un petit gamin. Il était trop mignon, il était trop mignon. Du lait comme ceci, du grand lait parce que mon fils, il aime que celui-là. Et c'est vrai que je kiffe. Je trouve ça tellement stylé d'avoir la poignée là. Je trouve ça stylé de ouf. Hein. C'est débilos. C'est débilos, je sais. Et j'ai pris 3 packs de cristalline comme ça. Franchement, le drive, c'est tellement bien. C'est la vie. C'est la vie de ouf. Les dentifrices, je me souvenais plus avoir pris ça. Mais des dentifrices comme ceci de la marque Oral-B. Normalement, je les ai achetés à Action. Peut-être qu'il y avait une promotion dessus, je sais pas. Truc super encombrant. Des sopalins comme ceci. J'ai pris un gros pack. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait 4, mais ça, c'est jamais à foutre à la poubelle. Et un autre gros pack comme ça, je suis équipée. S'il y a du rhume à la maison, je suis là, ne vous inquiétez pas. Il y en a du coup 4 également. Encore une petite dose de lessive comme ceci. Du vinaigre de nettoyage. Très très bien ça, le vinaigre de nettoyage. C'est juste la vie, ça coûte vraiment pas cher. Ça détartre, ça enlève les mauvaises odeurs. Je kiffe de ouf le vinaigre. Je me suis pris du thym et du coriandre comme ceci de la marque Duclos. Duclos, il se décarcasse.
J'ai envie de te dire des protège-slips. Sing, sing, l'amour. Des protège-slips de la marque Vania. Vous en avez 56 à l'intérieur. Du laurier, comme ceci, pour faire mes petites recettes. J'avais envie de changer. J'ai pris des petits... Ah, j'avais pas vu que c'était comme ça. J'ai pas fait gaffe, je pensais que c'était une boîte. Ah, du coup, ça, c'est direct, tu peux le manger. Ok. Ogre, lentilles, vertes, riz, rouge. Et là, du riz façon paella. J'avais pas du tout fait gaffe que c'était ça. Je pensais que c'était vraiment des choses à faire chauffer. Des gâteaux comme ceci pour les enfants de la marque Björg. Ça, c'est super, super bon. Des gros... Oui, j'arrive. Des gros sacs plastiques comme ceci pour le jardin. C'est 130 litres. Et également des sacs plastiques classiques basiques comme ceci. 30 litres pour la poubelle. Ensuite, un gros pack d'eau comme ceci. Un pack de 8 litres. Pour essayer de faire des économies, parce qu'à un moment donné, ça va la planète. Des yaourts nature comme ceci, j'ai pris seulement un petit 4. Oui, oui, je vais donner de l'eau dans la bouteille. J'ai pris un pack de 4. J'ai également pris une recharge de nettoyant pour les vitres. Voilà, j'essaye. Alors, me jetez pas la pierre, mais j'essaye d'acheter des choses un petit peu pour la planète. Parce que là, du coup, t'as pas le bec verseur, t'as juste à recharger. Enfin, le pich-pich, t'as juste à recharger. Du liquide de rinçage comme ceci pour la machine à laver. Hop, la machine à laver. Le lave-vaisselle. Encore des pâtes comme ceci. Ce sont des pâtes rapides. Ce sont des penées comme ça. Il y avait une réduction, pareil. Encore des pom-poms, la compote. Exactement les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe. Un gros pack de Capri Sun comme ceci, il est super lourd. Des bananes, hop, comme ça, en veux-tu, en voilà. Et j'ai fait des bêtises parce que j'avais pas fait gaffe, j'ai également pris des bananes quand j'ai fait les courses à Hyper. On continue, je t'avais dit de prendre un mojito, du papier comme ceci, c'est du sopalin, vous en avez 4 à l'intérieur. J'ai également pris des espèces de filou tubes comme ceci, c'est de la marque de chez Leclerc, c'est la marque Repère, ça c'est très très bien. Des petits suisses comme ça, mes enfants ils kiffent de ouf les petits suisses. Encore un pack, il n'y avait pas par 8 en fait, donc j'ai pris 2 packs de 2 tout simplement, et c'est bien parce qu'il n'y a pas de suremballage. Ça c'est top, on aime, on adore. Des petits pains comme ceci au chocolat. Enfin, des petits pains comme ça. Moi ce que je vais faire, je vais le trancher. Je vais mettre une petite tablette de chocolat que je t'ai montré tout à l'heure. Ça c'est plutôt pas mal pour le goûter. Encore une brioche comme ceci. Je t'avais dit qu'on avait pris pas mal. Des carottes classiques, basiques. Pour faire quoi, classiques, basiques. Non, elles sont déjà lavées et tout, ça c'est pas très bien. C'est pour faire mes petites carottes aux lentilles. Du pain comme ceci, 100% mis tout simplement pour faire des croques monsieur. La blinde de kiwi. Voilà, j'ai pris la blinde de kiwi. Là, j'ai fait une grosse bêtise parce que j'avais carrément oublié que j'avais pris des kiwis. Des pommes comme ça. Manger des pommes, disait Chirac. Puis à son âme, brocoli comme ça pour faire des lardons au brocoli avec de la sauce. C'est juste trop bon, c'est juste trop bon ce genre de choses. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît et à regarder mes vlogs parce que des fois je te fais des petites recettes. Du citron vert comme ça pour faire tout simplement mes crevettes, la chose que je vais faire avec les crevettes un petit peu chinoises et tout. De la crème semi-épaisse, voilà des petites briquettes individuelles. Des petits coraya, des surimi, même si on sait qu'à l'intérieur il n'y a pas de crabe, il y a tout sauf du crabe il paraît. La grosse crème comme ceci pour faire une petite recette. J'ai pris des yops pour les enfants. J'ai pris un pack. Oh bah c'est cool. Il y a un pack de différents goûts. Il y a fraise, vanille et framboise. Bah j'ai pris 2 fois. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. C'est cool d'avoir un petit pack qui change un petit peu. De la mozzarella comme ceci. Du beurre, cette fois, j'ai... Ah ! J'ai pris encore du beurre de micelle. Je vais prendre du beurre doux pour faire les gâteaux. Mais je me suis gouretche. J'étais un petit peu à l'arrache. C'est ta salakis au bonnet de brebis. Ça, c'est trop bon avec des petites tomates. Je kiffe de ouf. Des petits yaourts pour les enfants, comme ceci. Et on a la blinde. Il y a plein de saveurs différentes. Fraises, pêches, abricots, framboises et bananes. Ça, une petite nouveauté. Des Kit Kat comme ceci. Enfin, des yaourts... Ah, en fait, c'est quoi ? C'est des yaourts sucrés... Avec des Kit Kat. Bon, on va tester des petites Kit Kat balls. Tu vois l'idée.
Hop là. Ensuite, on a du poisson style fish and chips. J'en ai pris 4 en tout. Enfin, 2. 2 fois 2. Vous en avez 4. J'ai également pris un autre petit émincé comme celui que je t'ai montré au tout début. Ça, c'est avec une petite marinade asiatique comme ça. Et du jambon serrano. Je suis passée à Truffaut pour prendre de l'eau pour les poissons. 1, 2, 3, raconte ta vie. J'ai pris des pop-corns comme ceci pour mon fils. Et en fait, il n'aime pas. On aime, on adore. 3 balles et pour 8 balles, j'avoue, c'est très très cher. J'ai pris des gros chamallows comme ça, j'espère qu'ils vont être bons. Sinon, je m'en fous, j'écris à la marque en leur disant qu'ils sont pas bons. Et j'ai également craqué pour ces sirops-là, j'avais grave envie. Moi, je prends beaucoup de sirop, ça me permet de boire de l'eau. Je pense qu'il faut mieux boire de l'eau avec du sirop plutôt que pas boire de l'eau quand même. La fille qui se trouve des esquisses. J'ai pris un sirop à la framboise, c'est 9 balles de sirop, hein. Ça vaut très très cher. Et au litchi, celui qu'on allait tester, voilà, 9 balles, faut faire attention, faut pas les péter. Pas les péter du tout. Maintenant, je te montre mon retour de course de chez Hyper U. Et là, tu vas voir que tout est déjà sur la table. Et en fait, bah, j'en ai eu pour 200 et quelques, tu vois, c'est juste abusé. J'ai pris un pack de 6 tourtelles comme ceci j'en ai déjà bu une. Un gros paquet de Benko comme ça, non mais franchement c'est du foutage de tronche. Hein. Hyper U, c'est du foutage de tronche, je vais arrêter d'y aller parce que c'est juste pas possible. Non, c'est une blague, j'ai pas un autre sac. J'ai pas un autre sac quelque part. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais regarde, juste ça, ça, ok, te laisse pas avoir par ça, hein. Ça c'est déjà fait, juste ça, j'en ai eu pour 200 balles, je suis choquée de ouf, non c'est pas possible, attends je te jure, je cherche un autre sac parce que c'est pas possible, oh c'est une blague, non c'est pas possible. Bah, c'est une grosse blague, c'est une grosse blague, c'est une grosse blague le sucre. Bref, on commence. J'ai pris des pastilles comme ceci pour le lave-vaisselle. Elles vaut cher, ok, mais c'est pas ça qui coûte 200 balles, tu vois. Elles sont très très bien, elles sont très très bien, surtout quand un lave-vaisselle qui déconne un peu et qui part un peu en sucette, qui est vieux. Des bâtons de colle comme ceci pour ma fille, parce que je lui prépare au fur et à mesure une petite trousse pour l'école. Du bicarbonate de soude, comme ça, c'est le seul sucre qui détartre mes WC et encore... Pas vraiment. C'est un petit peu chiant. Des packs comme ceci. Alors du coup, ouais, je pense pas que ça justifie les 200 balles. Faut pas abuser. Des packs comme ceci de jus. Vous avez pomme et vous avez également orange. Ça, c'est pour mon fils, pour le goûter. Des lingettes de jus comme ceci. J'ai été à Action, mais j'avais carrément oublié d'en acheter. Donc mon mec en voulait, donc je lui en ai pris. Des petits fruit shots comme ceci. Pour ma fille, pour le goûter ou quand elle prend l'apéro, ce genre de choses. La bière alcoolisée dans le jus de boisson, t'as consommé avec modération. Mon mec voulait une vodka comme ceci, Zubrowska Biala. Donc je lui ai pris. Vous avez 75 centilitres à l'intérieur. Ça vaut cher, ok, mais ça vaut pas 200 balles. Un petit jus, ça vaut 2,50€. Un petit jus de pamplemousse. Tu sais, ils te font le pamplemousse directement. Là, là, ils te font le truc, voilà. Les Tropicana comme ceci, j'ai pris un pack de 2. Hop, c'est pas au rayon frais. Des gaufres liégeoises qui, je pense, sont bien chauffées dans la voiture, voilà. Mais ça va être bon quand même. On va les manger. Fruits et légumes, j'ai pris des abricots. Et c'est vrai que mes enfants n'ont pas encore mangé des abricots. Ça, c'était 1,36€. Tu vois, j'en ai pas des masses. Deux petites bouteilles comme ceci. 36 centimes, je m'en souviens. Un 4 couleurs comme ça pour ma fille. Comme je te dis, je prépare sa petite trousse d'école. Des pistaches. Mon fils était trop mignon. Il m'a dit, maman, je peux prendre des pistaches. Alors où je te parle, il a la varicelle et tout. Donc, trop adorable. Une patate douce, 2,89€. C'est abusé ou pas? C'est abusé de ouf. Patate douce, j'ai pris des bananes. J'ai dit que j'avais fait des bêtises. Mon fils m'a dit, c'est mon jambon préféré. Donc j'ai pris ça. J'ai pris 12 tranches de jambon comme ceci pour faire des endives au jambon. Je kiffe de ouf. Des espèces de Red Bull comme ça. C'est la marque Hyper U. J'ai pris ça pour mon mec. J'arrive mon amour, j'arrive. J'ai pris de la... crème chantilly à la vanille de Madagascar.
Celle-là, c'est ma vie. Mon fils m'a dit, ah, prends l'autre, ça, c'est une président. Et puis quand j'ai fait, non, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut prendre, mon petit chouki. Elle est juste trop bonne, celle-ci. Je me suis pris une grosse Red Bull des familles pour moi, tu vois, quand j'ai besoin d'un peu, hein, même si ça me fait gonfler le bide. Un gros jus de pomme, comme ça. Hop, ici, nous avons des cerises. Des cerises, voilà, parce que nous, on a un cerisier, mais là, je sais pas si t'entends le bruit des oiseaux. Mes cerises sont en train de se faire exploser par tous les oiseaux, là. J'en mangerai même pas une. Des endives pour faire, du coup, des chicons gratins. Des chicons gratins. On a là encore des bananes. Encore des bananes. Des gâteaux apéro comme ceci. C'est un petit... Je trouve ça tellement dégueulasse. Je trouve ça tellement dégueulasse. Mais mon fils voulait absolument ça. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. J'adore. Faut que j'apprenne à les faire moi-même. C'est des petits sachets de papillotes déjà tout faits. J'ai pris herbe de Provence, comme ça. Hop. Spécial côte de bord barbecue. Ça, je le prends, mais je fais mon poulet avec. Un autre barbecue. Ail et oignon. En fait, t'as un petit sachet, t'as des épices et tu mets ton poulet dedans et c'est juste trop bon. J'adore. Ail et oignon. Encore barbecue et herbe de Provence. C'est trop bon. Ma jeunesse, ma vie, j'ai fait à mon fils. Il faut que tu testes ça. C'est juste trop bon. Rien que l'odeur me rappelle mon enfance. J'aime trop ça. Des patates, comme ceci, pour 6 euros. Voilà, 6 euros des patates. Hein. Vous avez 3,9 kilos. Des andouillettes, ça et les pailles d'or, pas mélangées. Hein. Mais c'est, les andouillettes, c'est ma vie de ouf. Du petit filet de porc comme ceci, du petit filet de bœuf comme ceci, tu vois, de la malbouffe de ouf parce que mon mec n'aime pas trop cuisiner. Moi, j'ai pris ça pour les congeler et pour ensuite me faire un petit truc sympathique. Encore une plâtrée de 12 tranches de jambon, ça c'est 6 balles, tu vois, pour faire mes chicons gratins. J'ai pris des pêches ou des mandarines, je sais jamais sur quel bouton appuyer. Ils sont déjà abîmés, ça me fait yesh, tu vois. 3,68 €, le bâton de berger. Mon fils, il voulait ça. Hop, des gâteaux, c'est lui qui a choisi. Il a choisi des gâteaux Milka, comme ça. Des BM à la framboise. Je voulais en manger, mais je n'aurais clairement pas le temps de les manger. Mon fils voulait des petits zippos comme ceci. Donc, j'ai pris. Ça, c'est trop bon. C'est des espèces de gaufrettes avec de la cassonade à l'intérieur entre deux. C'est juste trop bon. Encore des kiwis, bah oui. Bon, ça, j'avoue, ça m'a coûté cher hein, parce que c'était 1 euro, plus d'un euro le kiwi. Mais c'est du gros kiwi, tu vois. C'est du gros kiwi, mais il est absolument pas mûr. C'est pas grave. Des tomates. J'ai pris des tomates en grappe. J'en ai moins d'un kilo. J'en ai pour 9 balles. C'est 9 balles le kilo. Non, mais on est où, en fait? Un kilo de 9... Je sais pas pourquoi. Faut que je regarde les prix en fait. Faut que j'arrête mes conneries. Faut que je regarde les prix parce que là c'est du grand n'importe quoi. Des petits princes comme ceci. Oui, je suis débile. Hein. Pourtant, je suis pas une fille de riche ni quoi que ce soit. Mais j'ai jamais vraiment regardé les prix. Mon mec voulait des petits packs et un pack d'un litre. Non, franchement, c'est abusé. Abusé. Là, je me suis fait couillonner quoi. 3 avocats comme ceci. Je te parle pas du prix de l'avocat. Hein, on s'en parle pas. Et ça, c'est quoi? Des champignons. Les champignons, ça va, 72 centimes. Des champignons ou de pareil comme ceci. Non, mais là, c'est abusé. Là, le dernier truc que je t'ai montré, j'ai vraiment pas d'autre sac. Si je reviens, c'est que j'ai trouvé un autre sac, mais là, pour tout ce que je t'ai montré, j'en ai plus que pour qu'à Leclerc. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. Je me rendais pas compte parce que le caddie était quand même assez plein, tu vois. Mais... Non, tout est là, je vois pas ce que j'aurais pu oublier, c'est un truc de ouf, non mais hyper une, non mais arrêtez les gars, tu vois. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, juste là ou par là, et moi je vous dis, et voilà, là, à bientôt dans une prochaine vidéo.